Yo tout le monde, c'est Kyrios. Allez, reprendre la suite de notre aventure sur Planète Base. Hop. Alors. Voilà. Là, on avait construit un dôme. Je sais plus trop ce que j'avais fait. J'avais fait un entrepôt, donc normalement, ça devrait arriver au niveau des stockages. Parce que là. Ah, j'ai le vaisseau marchand, qu'est-ce qu'il me propose lui? Banner 80. On va avoir un autre transporteur. Un robot foreur. 160, ça fait 216. Waouh, c'est cher quand même. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Valeur 5, valeur 5. Un truc qui fasse. Ouais, non, c'est trop cher. Du métal, peut-être, valeur 15. Ça me fait 20. Ouais, non. C'est beaucoup trop cher. Lui, c'en est où? J'avais une paillasse. Ok. Alors, faut que je me rappelle les boutons. C'était celui-là. J'ai combien de médecins? J'en ai deux. C'était mon laboratoire. Mon laboratoire, on va remettre une autre paillasse. Alors. Voilà. Comme ça, hop, une deuxième paillasse. On va juste accélérer un peu la vitesse. Vu que j'en ai deux, hop, une deuxième paillasse. Comme ça, s'il y en a un médecin qui n'a rien à faire, il va travailler encore avec l'autre pour pouvoir créer des médicaments. Parce que là, moi, j'en ai plus beaucoup. De toute façon, j'ai deux médecins et normalement, l'autre, il est là. Alors, moi, en pharmacie, il n'y a plus rien. Pièces détachées et ressources, oui, bah oui. J'ai l'entrepôt qui arrive. Ça, ça me fait quoi? Un atelier. Donc ça me fait des pièces détachées. D'accord. Une fonderie. Ok. Là, là, c'est bon. Là, c'était quoi? Un centre robotique. Ah oui, j'avais construit un centre robotique. Répare les robots. Un atelier de repos. Tiens. Juste un truc qui va me permettre de construire des robots pour le moment. Comme ça, je lui dirai ce qu'il faut. Sûrement peut-être un robot porteur qu'il me faudrait. Mais j'en avais pas d'autres des robots là. Là, j'en ai plus que deux. Faut un deuxième robot porteur. Ça, c'est pas mal. Ça ira mieux. Alors, ça, c'est quoi? Robot porteur. Nécessite une technologie, d'accord. Il me faut un métal, un bioplastique et un supraconducteur, d'accord. Bon, bah, je peux pas le construire tout de suite parce que là, il me faut ça. Alors ça, c'était ça. Ça va être... c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Énergie, les électriques consomme 99 et en produit 23. D'accord. Il va falloir que j'améliore un peu. Alors. Extérieur. 1-4. Voilà. Comme ça, hop, hop, hop. Voilà. Là, j'ai pas mal de... Il me faut des productions énergétiques, là. Parce que là, je suis un petit peu mal. Pas vraiment mal, mais au niveau énergie, c'est la nuit. Je pense qu'au niveau... dans la journée, je suis bien, mais... Là, je produis que 30 watts et j'en consomme 99, donc il me manque. Eh oui, c'était sûr. C'était sûr. Bon. Pas accélérer plus, là.
Ah là 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 là. Ah c'est bon, il y a le soleil qui arrive, donc ça va reprendre. Il y a l'énergie qui va arriver. Mais il me faut... voilà, l'électricité qui revient. J'ai pas assez de production d'énergie, c'est pour ça. Là, il faut que je me concentre sur l'énergie électrique. Ça c'est quoi? C'est les panneaux solaires moyens. Normalement j'ai celui-là. Et alors faut que je recherche où c'était. C'était ça. Les colons. Le marchand, ouais aussi. Mais voilà. Il me faut un peu de. Un peu de. De bonhomme. Il me faut quelques colons en plus. Oh, pas vrai. Bon, priorité c'est ça les gars. La priorité c'est ça. Là j'ai quoi qui arrive? Ah c'était le commerçant. Valeur 20. Valeur 5, valeur 10, valeur 10. 2 pour un truc. Ouais, ça peut toujours servir. S'il me manque un allez 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 hop hop, là il faut que je me concentre sur l'énergie. J'ai pas assez de stockage, mais c'est ça, j'ai pas assez de monde en fait, c'est pour ça. Il faut plus de monde. J'ai pas vu ce qui est arrivé. Il me faudrait des ouvriers. Ingénieur, ouais, c'est bon. Donc, biologiste, ça va aller. Mais il me faut des. Parce que au niveau nourriture, c'est bon. Là, j'ai plus de crise, pas de crise alimentaire, je suis tranquille. C'est des ouvriers. Il me faut beaucoup d'ouvriers. Donc, il faudrait que j'enlève un biologiste, un ingénieur, un machin, et que je mette ça. Voilà. Là, avec le vent, c'est bon. Là, je devrais avoir production énergétique, c'est bon. Là, je suis bon. Avec la tempête de vent, là, je suis bon. Là, il me faut des pièces détachées. Les pièces détachées, il me faut des ouvriers. Donc là, il me faut beaucoup d'ouvriers. C'est ça qui me manque. Surtout que j'ai au niveau des minerais, là, c'est bon. Minerais, je peux en avoir. J'en ai beaucoup des minerais. Et il me faut que je construise, tu vois, c'est ça. Fonderie de métal, j'en ai qu'une qui marche, donc j'ai pas assez d'ouvriers. C'est ça qui me manque, c'est des ouvriers. Ressources épuisées, ces médicaments. Bon bah ça voilà. Lui, qu'est-ce qui manque? Vêtements. Tiens, on va refaire un deuxième lit. Ça c'est bon. Au cas où. Oui bah voilà, le robot c'est pour ça. Ah, là c'est qui arrive? Ah, attends, moi. Ah bah c'est deux ouvriers, c'est bien. Donc c'est deux ouvriers qui arrivent. On est tranquille. Là je peux avoir un peu plus de monde qui peut arriver parce que pour la nourriture, je suis tranquille. C'est Osef. Là, ce qu'il me faut, c'est un peu plus de monde. Quelques biologistes en plus pour traitement des plantes, mais non, mince, c'était quoi? Non, c'était pas ça. F2. Voilà.
Biologiste, c'est bon. Les biologistes, j'en ai 12. Les ouvriers, j'en ai 9. Il me faudrait un peu plus d'ouvriers. Les ingénieurs, j'en ai 3. Et les médecins, j'en ai 2. Normalement, mes deux médecins devraient être... bon. Devraient aller. Et c'est... ouais. C'est ma production de... énergétique qui a du mal. Ah. J'ai pas beaucoup de vent, là. Et du coup, là, c'est en train de tirer sur mes réserves. Avec mes accumulateurs. Donc, il va falloir que je construise d'autres accumulateurs. C'est la force du vent, en fait. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Et là, je peux pas le mettre ici. Je suis un petit peu dégoûté. Et là, je peux rien mettre là non plus. Ah si, je peux en mettre un là. Votre réserve d'électricité est faible. Ouais. Je peux qu'en mettre qu'un petit. Dommage. De toute façon, il va falloir que je construise vraiment, que je me mette à fond sur l'électricité. Donc là, je suis à combien? 19 ouvriers toujours. J'ai plein de machines, mais j'ai pas assez d'ouvriers. Comme ça, les accumulateurs, ils sont bons, là. Ouais, tout est bon, en fait, mais c'est le... non, c'est ça. L'eau, bon, bah, consommation d'eau, production, ouais, ok. Mais... je suis en consommation et j'en produis 180. Il me faudrait que je fasse une grosse production. Non, c'est pas ça. J'ai combien? J'ai 8. Ça me ferait 7. Un gros panneau solaire là? Ouais. Ça, je suis tranquille. Au niveau de la journée, j'ai un gros panneau solaire et j'ai une grosse éolienne. Pour le moment, on va dire, on peut jouer que avec ça. Là, c'est des petits accumulateurs que j'ai, mais bon, il faudrait que j'en mette pas mal, des gros. Mais bon, voilà quoi. Je peux pas faire grand chose. Ah, il me faudrait un ingénieur maintenant. Donc il faudrait que je modifie. J'ai besoin d'un ingénieur en plus. Ouais, j'en ai que 3 les ingénieurs. Alors, on va en mettre un 4e. Non, on va faire comme ça. Médecin. Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. On va rester comme ça. Hop. Toi, qu'est-ce que tu me demandes? Valeur 15, valeur 160, 80. Nourriture, je suis bon. En fait, au niveau, puis même niveau normalement, je devrais avoir plus 6 et plus 36 là. Bah, peut-être pas 36 non plus, mais je devrais être bon. Plante médicinale, c'est bon. Là, c'est une valeur de 15, donc 23 en commission. Non, c'est un peu trop cher. Oui. Du coup, j'avais mis ça en priorité. C'est bon, plus besoin de mettre en priorité. Vous pouvez faire ça tranquillement. Là, au niveau nourriture, c'est bon. Ce qu'il faudrait que je fasse en priorité maintenant, c'est... j'ai combien là? J'ai que deux médecins, 3 ingénieurs, 12 botanistes. Moi je suis bien pour le moment, on va dire, au niveau nourriture, donc j'ai plus besoin de botanistes. Et j'ai 20 ouvriers. Ah, attends. Et du coup, c'est quoi qui vient d'arriver là?
C'est des jaunes. Les jaunes, c'est des ingénieurs. Alors, attends. Parce que du coup, en fait, j'ai plus besoin de... On va dire les colons, c'est bon. On relancera les colons peut-être un peu plus tard. Mais pour le moment, on va dire qu'on est bon. Non, c'est les ouvriers qu'il me faudrait. Quelques ouvriers en plus pour qu'ils puissent vraiment. Non, pas les ouvriers, je veux dire. Les ingénieurs. Du coup, il faut que je remodifie. Si. Tout ça, mais du coup, il me faut des ingénieurs en plus. J'en ai 5. Faudrait que je monte à au moins 2 de plus. Niveau nourriture, on est bon. Ces ingénieurs, dès que j'aurai des ingénieurs, ils pourront s'occuper de la construction, de la maintenance et ainsi que la construction de pièces détachées. Parce que là, il me faut du métal, du bioplastique, un ingénieur et je te fais des semi-conducteurs. Et là, la même chose et je te fais des pièces détachées. Je te fais 2 pièces détachées, donc ça c'est bon ça. Pièces détachées, non ça c'est celui des conducteurs, mais j'ai même plus là. Bon, pièces détachées c'est pour ça. Et du coup on a, je crois qu'on a plus de problème au niveau électrique. Hein, Prestige 94, ouais ça monte un petit peu. Statut excellent, ouais mais c'est bon. On a... Ah, on a le réseau qui est... Ouais à part ça, ouais. On a le réseau qui commence un petit peu. Alors, attends, on peut pas en faire un. Ouais, j'essaie d'en faire un big mastoc là. Ici, comme ça. Hop, hop, puis on est bon là. Un gros accumulateur. Pour avoir plus d'énergie. Là on est bon. Là franchement on est bon. Ah bah là il me construit un robot porteur. Donc ça c'est bon. De toute façon des robots j'en ai plus que 2. Ah bah attends j'en ai 2 en fait, ça veut dire que j'ai 2 robots porteurs. Oh ça c'est bon ça. Donc je pense qu'avec 3 robots porteurs ça devrait aller. Ça va alléger un peu le travail de mes ouvriers. Ils vont pouvoir se concentrer sur les trucs importants. Ah bah attends, là j'ai quoi là? Là c'est des ingénieurs qui sont arrivés. Je suis à 43, donc il faut que je regarde là. Attends, je suis à 43 là. Je suis à comment là? 21 ouvriers, 12 biologiques, 8 ingénieurs et 2 médecins. Je vais en mettre un troisième médecin là, il me faudrait. Du coup, on va diminuer un peu le machin là. Voilà. Il me faudrait des médecins. Juste un en plus. Vu que j'en ai 2 qui sont dans la paillasse. Ça c'est le robot porteur, les robots j'en ai 3. Il en est où? Ah bah lui il me fait ça donc c'est bon, on laisse tomber. J'en ai pas besoin là. Ah il me le fait automatiquement en fait. Désactiver la structure. J'en ai pas besoin. Pour le moment je suis à 3 robots. Donc c'est bien. Ça veut dire que j'ai un ingénieur qui peut repartir ailleurs. Donc on est bon. Tiens, bah oui, le vaisseau marchand qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il me propose, lui? Ah, un robot constructeur, ouais, ça serait pas mal, ça. Moi, il me faudrait un foreur, comme ça, ça ira un peu mieux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Viens d'une vitro? Non. Ah, il faut que je fasse aussi le truc de la viande. Parce que là ils sont c'est bien, ils ont des légumes mais il me faudra un peu de viande. Là on est bon, là on est bon aussi, cristaux c'est bon, en fait ils me proposent rien du tout. Et en parlant de viande, ouais, c'est toi qui es là, et tu vas faire un truc, produit de la viande in vitro. Alors attends, dès que j'allais en...
tempête de sable, avec le vent, production énergétique qui va augmenter. Ah, je suis bon. Bah, du coup, je suis même bon, même au niveau énergétique. Ah non, c'était F4. Ouais, j'en consomme 98 et j'en produis 176. 151, ouais. Avec le vent, même l'eau, on est bon, en oxygène, on est bon. Ah, du coup, toi, tu vas me faire du poulet. C'est un biologiste, tu vois, il va me faire du poulet. Et je vais avoir la place pour faire les autres. Je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Et on va refaire deux autres. On va les faire là, maintenant. Je crois que j'ai de la place pour en faire deux. Alors attends. Alors attends. C'est bon. Voilà. Alors non, il fait poulet, cochon et bœuf. Ça fait de la viande. Parce que là, des légumes, les autres, ils bouffent que des légumes lyophilisés depuis tout à l'heure. Donc, on va dire que ça suffit un petit peu, là. F5, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai toujours des colombes. F2. J'ai toujours que deux machins. Bon, on va attendre. Attends, je vais accélérer un petit peu le temps, là. Ah bah ça y est, ils ont commencé à mettre là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Parce que je crois que l'autre, il va être plein. Alors, on est bon. On peut dire que j'arrive à gérer une belle petite colonie. Donc, la production d'énergie est terminée. J'ai plus rien. Production de viande, c'est bon. On va commencer à construire. Hein, Alors. L'usine, c'était bon. La fabrique, j'ai là. J'ai envie de construire après, c'est ça. Laboratoire, c'est bon. Centre de contrôle. Ah, c'est vrai qu'il y a le centre de contrôle. Mon toit, il est comment? Ah, ouais, et celui-là, j'aurais bien aimé le foot au milieu. Le foot ici, toi. Eh, pourquoi pas le mettre ici, le centre de contrôle? Je pense qu'on va le mettre là. Et structure externe, qu'est-ce qu'on a? Panneau. J'ai une mine. Plateforme d'atterrissage. Plateforme spatiale. Radio. Antenne radio. Nécessite centre de contrôle. Ah, ok. Un petit panneau d'affichage. Je sais pas. On peut pas le mettre ici, en plein milieu. Bonjour, salut. Ah ouais, du coup il me reste quoi là? Attends. Après je peux partir par là. Et après je peux partir par ici. En fait je peux partir un peu partout. C'est ça qui est bon. Soit je peux partir par ici pour me détendre. Les mines. Ouais, je peux construire une quatrième. Je pense que je peux en construire là aussi. Là, je peux vraiment construire là, je crois. Non? Ouais, je peux en construire une cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Ouais, donc je peux faire des mines tout autour, donc normalement ça devrait être bon. Et bah tu sais quoi, j'ai en construit une troisième. Comme ça, j'ai plus de mines en haut. Si, voilà, c'était là. Tu sais quoi, je vais construire un troisième qui est là. Hop là. Hop, hop. Là c'est bon. Comme ça on est tranquille. Hop, il y a les mines qui arrivent. Les minéraux qui sont là, ok. Ouais, je t'avais dit que je voulais construire un petit peu, améliorer encore un peu mon truc. Du coup, là, bah là, on va partir sur, on a dit, le centre de contrôle ici. Et là, on va partir un peu sur l'espace fan. Donc le multidôme et le bar. 4-4. On va en faire un petit 2-2. Hop, on va faire ici.
Et on va dire que le bar aussi, on va faire un petit bar. Un petit bar, comment il est, 2-2. 4-4. Allez. On va le mettre là. On le met ici. On le met là. Allez, hop. Là, je peux pas. Là, je peux faire là et... Barre-toi, ouais, il peut aller là, il peut aller là. Tiens, comme ça, je vais faire une autre connexion ici. Là. Non. Là, non. Ah, consommation d'oxygène. D'accord. Ok. Donc, c'est la consommation d'oxygène. Pas beaucoup de vent. Ah bon, on arrive. Actuellement 51 personnes dans la place, je produis assez d'oxygène pour 50. D'accord. Alors, j'ai toujours des colons qui arrivent. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas fait gaffe. Ouais, bah je pense qu'on va arrêter les colons. Les colons, on va arrêter. Et on relance peut-être un peu d'oxygène. Parce que là... Je suis un petit peu cric-crac, on va aller, et du coup, mais avant, je vais envie de lancer. Non, c'est bon. Je pensais à lancer un truc de consommation d'eau, bon, on verra après. À l'oxygène, on arrive à la fin ici. C'est pour ça que j'ai envie de refaire des structures là, personnelles. Donc, ouais, hop. Voilà, ici. Allez, hop, construisez-moi ça. Du coup, on va faire ça. On est à 51 personnes, on est bon. Là, c'était quoi? Le bar. Plus important. Distributeur de boissons. Cette petite table, table haute, je peux en mettre qu'une en fait. Là, d'accord. Ah oui, bah oui, c'est normal. Là, on va mettre une autre table. On va quand même mettre un truc pour boire, hein. Hop. Et j'en mets une table. Voilà. Voilà. Je peux pas en mettre une autre ailleurs, non, tu vois, ça prend de la place déjà, c'est... Non, on est bon. Ouais, comme ça, ils ont un petit bar, les gars. Hop, venez. Ils peuvent boire. Ils sont tranquilles. Là, j'ai mon entrepôt qui est juste là. C'est quoi? Ah, c'est un entrepôt. Ça, c'était ça. J'avais pas construit le réfectoire. Machin. Bah non. Je pensais l'avoir. Non, bah j'ai cru que j'avais lancé le multidôme. Le multidôme, on va le faire là. Ah, attends, ça... ah non, ça c'était quoi ça? Ah bah là, le multidôme. T'es, c'est bien ce que je disais. Ça c'est quoi ça? Un banc, tapis de course, barre de muscle. Alors, un tapis de course ici, une barre de muscle là. Pour mettre l'autre, bah, là, comme ça on est bon. Un petit banc qu'on va mettre là. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre quand même un peu de là. Les autres, ils font du sport, ils sont tranquilles.
Ça va leur faire du bien. Tapis de course qui est là. Gerbant qui est là. Non. De l'eau. Alors on va mettre un truc comme ça. Allez, hop. Comme ça on est bon. Du coup, on va s'arrêter là. Hein. Là, j'ai envie de partir sur des habitations, mais les habitations individuelles, chambres. Faire vraiment le truc. On ne sait jamais s'il y a du. C'est des touristes. Je veux dire, savoir un peu ma consommation là. On est comment là? On est à 21 ouvriers, 13 machins, 12 ingénieurs, oui, c'est bon. 5 infirmiers, ouais, laisse tomber. Ouais. On est nickel. On est nickel. Donc c'est pas ça. Là, c'était quoi, graphique? Enfin, en plus, on a 16 de viande, 11 légumes, 14 légumes. Oui, c'est bon. Là. L'oxygène, on est bon. L'eau. Produit 11 et on consomme 10. Je pense que je vais, avant de quitter, le faire tout de suite. Un extracteur d'eau. On va mettre... Non, là j'ai envie de mettre mon truc de sécurité. Et du coup, on va le mettre ici. J'ai combien? Il me faut 2. Allez, hop. Comme ça, on va faire l'extracteur d'eau juste là. Comme ça, on va être tranquille encore au niveau de l'eau. Juste avant de quitter, on fait ça. Et puis, on est bien. On est bon. Là, ma petite colonie qui commence à être bien. Mais à chaque fois, j'ai toujours le vaisseau là, de ravitaillement qui vient, mais je prends jamais. C'est pas grave. Moi, on est bon là. Et après, je pourrais construire le centre de contrôle. Et le centre de contrôle, on va le construire tout de suite aussi. Comme ça, ça c'est fait. Et j'ai dit que je le voulais ici. Là, là il est bon. Oh, 4 même. On va en faire un petit. Donc on va se terminer là-dessus, hein, sur le centre de contrôle et l'accumulateur. On va être tranquille. Pas l'accumulateur, l'extracteur d'eau, je veux dire. Et en plus, toi, la réserve d'eau est faible. Et là, normalement, ça devrait être bon. Là. Tu vois, j'en produis 13 et j'en consomme 10. Déjà, c'est déjà un peu limite. Donc, on va peut-être que j'en refasse un autre. Pour être tranquille. Je pense que j'en ferai. Un peu plus tard. Donc, hop, on va attendre qu'il se dépêche de terminer ça. Au niveau des lits, là. Je suis comment? Parce que vu que j'ai beaucoup de monde. Ouais, donc là ça va, c'est pas trop. Ouais, je vais quand même en refaire. Ça a l'air de gérer, mais je vais quand même en refaire. Aller dormir nickel. Et j'ai mon centre de contrôle qui est là. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Terminal de sécurité, terminal radio, permet à l'ingénieur de télescope, permet de stocker des armes. Bon, on va le faire un de chaque. Hein, il me reste combien là? Ouais, pas se demander. Hop, je te fais un de chaque. Comme ça, on est bon. Personnel. Hop, il se fout là. Et voilà. Comme ça, hop. Genre les ingénieurs, les ouvriers, les agents de sécurité. Bon, pour le moment, les agents de sécu, je n'ai pas besoin. J'ai pas une trop grosse colonie. Si j'avais le double, je pense que je mettrais un ou deux agents de sécu qui feront un peu. Hein. Et les autres, ils surveillent, je crois, que terminal radio et télescope. Donc ça veut dire que je... Non. Non. Oui. Moyen d'entrer en contact avec les vaisseaux passant en proximité de votre planète. Ça, c'est bon.
télescope détecte les catastrophes en approche fermée ou laser anti-météorite de visée. Ça, c'est bien. Laser anti-météorite nécessaire télescope. Donc il me faut un télescope. Yeah. Ah, on pourra pouvoir faire ça un peu plus tard. Je pense que dans un troisième épisode, on va partir sur la construction du télescope, de l'antenne, laser anti-météorite. Petit panneau publicitaire. Et tu sais quoi, j'ai en plus envie de foutre ici, moi. Bon, j'ai de la place. Ok. Bon, bah du coup, hop, pause. Bah du coup, moi, on va s'arrêter là. Hein. Et puis on fera ça dans un prochain épisode. Hein. Du coup, moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.